Great. So this event is the third in a series marking 10 years of BACWA. BACWA is a magazine, a multimedia platform, and a publishing house based in Yaoundé in Cameroon. And this event is taking place whilst the BACWA team are currently here visiting the UK, and Ed Fuge will be joining us, we hope, next week. And that may seem quite strange to have these in-person meetings in COVID times, but it's really a great delight and a pleasure to have you here in the UK. Together with the BACWA founder, Zikashu McVibin, and my colleagues, Georgina Collins and Madhu Krishnan, we have worked over several years on creative writing and literary translation projects. And this is kind of the follow-on from that. In particular, we've had a project which involved writing and translation workshops, and it led to the publication of a bilingual anthology of short stories called Le Crépuscule des âmes sœurs, Your Feet Will Lead You Where Your Heart Is. And these were stories written by Cameroonian writers and translated by Cameroonian literary translators. And it's great to see quite a few people involved in that project here in the audience today. And the aim of that project was to give visibility to literary translation and literary translators in Cameroon and in Côte d'Ivoire, and to contribute to bigger conversations taking place about the art and the politics of literary translation on the African continent and globally. So I'm really delighted to hand over to our chair today, and then I'm going to turn my camera off and disappear into the background. Roz Schwartz will introduce the two translators, the two slammers, je crois que c'est le bon mot. And as I'm sure many of you know, Roz has been promoting the rights and the visibility of literary translators for several decades. And she's also translated over 100 books of fiction and non-fiction. And alongside Ed Fuge and Georgina Collins, she taught on the BACWA Literary Translation Workshop in Yaoundé in 2019. So thanks so much, Roz. We're in very safe hands, and I'm really looking forward to the session today. Je te passe la parole. Thank you, Ruth, and it's a great pleasure to be here and an honour. So bonjour tout le monde. First of all, I'm going to introduce the panellists. So we're going to be looking at a short story written by Zikashu McVibin, who not only is a publisher, but he's also a writer, and his work's been published in a number of places and translated into several languages. And our two slammers or duelists are Edwige Drault, who is from Côte d'Ivoire, who's a writer, literary activist, translator. She's widely published and she's been a judge for many writing competitions. Most recently, she set up in Abidjan, 1949, a library of women's writings from Africa and the Black world. And we have Mariette Chamada, who's a Cameroonian publisher, translator and teacher. 3 years ago, she launched her own publishing house, Nuance, that only publishes books by women, with women as main characters, to give women a voice. So for those of you who've never attended a slam before, I'm going to explain how this works. The two translators have each translated the same excerpt from a short story written by Zikashu. They haven't seen each other's versions. I'm going to show you their two translations, which are quite different, and I'll ask them to comment on their choices. And I'd just like to emphasize that a translation slam is not a competition. It's not about whose translation's best, but it's a way of shining a light onto the translation process and into the translator's mind. So you're invited to post your questions in the chat. And after we've talked about the two translations, Edwige and Mariette will respond to your questions. And as Ruth said, we'll be speaking in French or English. So whichever's most comfortable, you can put your questions in either language. So we're very fortunate to have the author with us today and to be able to hear his voice. So first of all, I'm going to put up Zikashu's story on the slideshow and ask Zikashu to read it to us, because hearing the author's voice is the most important part when you're starting a translation. So Zikashu.
Hi, Rose. Hi, welcome, bienvenue. This is Sakesha's story. Can everybody see it? And Sakesha, would you please read it to us? Thanks a lot for facilitating this, Ross. I'm really curious about how it's going to go. And I'm particularly interested in seeing the work that Mariette and Edvish are doing. Foz actually volunteered to read the story. Is that okay? Sorry? Foz has volunteered to read the story. Oh, Foz's going to read it. Yeah, that's absolutely fine. All right. So welcome to Nfor, who works with Sakesha at Bakwa. Have we got Nfor there? He's not a panelist, but Maddie could make him one. I just updated him to panelist. So if you bear with us for just 1 minute, we should have four. And yes, he's now here. So if he can turn on his camera and his microphone. Hello. Hi, Nfor. Yes. Hi, Ross. Thank you for offering to read the story. We're ready to go. Okay. So an excerpt of Employee of the Month by Sakesha Magbeben, published in our first anthology of Passion and Ink, New Voices from Cameroon. Okay. Stargazing from the top of the KICC in Nairobi was all it took me. It was what it took for me to forget what a failure I was. Fortunately, it hadn't taken long for me to find a job at the Kentucky Fried Chicken at Kimathi Street. And my shift ended just in time for me to explore the bowels of my new hometown in the friendly dark. I embraced all it had to offer, from its decadence and exclusive soirees to its red light districts. Working at the KFC was demanding, and it was usually punctuated by the omnipresence of Jeroge Douglas. He was an employee who'd worked his way to a high rank and salary at that KFC and kept feeding me with useless crap about how I was not very enthusiastic about my job. At this rate, you'll never be the employee of the month, he said, pointing at a picture of another new guy who'd been chosen because of his hard work and enthusiasm. There was a special section on the wall on which the placard was affixed. It was a brown placard, and on it were two square spaces for two pictures which stood side by side and were colored yellow and white respectively. Above the yellow pictureless space on the left was written Employee of the Year, and beside it, below the inscription Employee of the Month on the right, was a picture of the douchebag who currently held the envied position, plus you always smile. It's good for your CV, you know. Imagine how Employee of the Month at a Nairobi KFC could change your life, Jeroge continued. I was silent. He paused and said, your hair is always unkempt. If you want to keep an afro, for Christ's sake, make it neat. You're scaring the shit out of some of our customers. And maybe you even remind some of them of the close encounters they've had with Nairobi. Look, I'm on your side here, and I am accountable for the workers in this KFC. If by the end of the year, your profile shows that you've never been an employee of the month or year, you can kiss your job goodbye. This guy was talking about KFCs as if his father was a shareholder. And for all I knew, the motherfucker was almost as broke as I was. One day, some of the workers at the KFC and I were making fun of Mugo, an employee who worshiped the employee of the month position, when a woman who looked like a lost angel walked in. Silence descended upon us like an ambush. She was one of those Kenyan Indians who picked up the best of both worlds, and most Nairobians would kill or get killed for her. Her thick, soft black hair flowed behind her like a river, and her skin had the color of chocolate. Her nails were painted black, and they reflected the light brown hazel color of her dreamy eyes. She ordered a chicken cheeseburger, and while she waited, she went to jukebox and played Sunny by Bonnie M. The mysterious girl left after a while, and everybody seemed to be amused, as if they were in a dream from which they couldn't wake. Thank you. Thank you very much, Nfor. Maintenant, je vais demander d'abord aux deux duellistes, quelle était votre réaction en recevant ce texte?
quels étaient les défis que vous avez relevés tout de suite et quelle était votre réaction? On va demander peut-être à Edwige de parler d'abord. Thank you so much, Rose. Thank you, everyone. Hello from Abidjan. It was a funny text. I enjoyed it. The character of Jorge Douglas was just like too much. Obviously, one of the challenges was the Nairobi. I think I thought so much about how to translate that. I did translate it. I think usually I leave such things alone, but I chose to translate it anyway. I don't know. I just tried to, and because I know Zikashu, so I was tempted a few times to contact Zikashu and say, is that what you meant? But I did not. I did not. merci. Et Mariette? Voilà. Oui, alors, j'avoue que c'est un, comme j'ai dit, c'est un texte très intéressant. Et évidemment, ce Nairobi-là, déjà, quand on nous a envoyé le texte, on nous avait promis que c'était le gros morceau. Et oui, bon, je n'ai pas eu le courage de le traduire après avoir tellement, tellement réfléchi. C'était le plus difficile pour moi. Et puis, la deuxième chose qui était difficile pour moi, c'était ce côté... le texte est écrit par un Camerounais. Je suis une traductrice camerounaise. Est-ce qu'il faut africaniser le texte? Et ça, c'est une question qui s'est posée. Et là aussi, j'ai choisi encore la neutralité. On va dire, c'était ça beaucoup plus pour moi, c'est-à-dire la voix ou l'odeur du texte. Est-ce qu'il faut le camerouniser un peu? Et c'était ça mon principal défi, en tout cas. Oui, ça, c'est une question que je voulais vous poser aussi toutes les deux. Est-ce que vous avez réfléchi au public? Est-ce que vous avez décidé de traduire en français camerounais, en français ivoirien ou en français de l'Hexagone? Est-ce que vous avez fait un choix là-dessus, Edwige? Tu sais, je pense que je l'ai traduit comme je... Donc, ce n'est pas un français ivoirien, ce n'est pas un français camerounais parce que j'ai seulement été au Cameroun deux fois pour une semaine à chaque fois. Donc, ça ce n'est pas assez pour traduire un texte en français du Cameroun. Mais je pense que j'ai traduit dans un français qu'on parlerait ici, peut-être en Côte d'Ivoire et avec mes amis. Oui, donc ce n'est pas un français de France, je ne pense pas. Et Mariette? Oui, globalement, c'est-à-dire, je crois que je suis quelque part au milieu. Donc, c'est un français, on va dire, francophone, neutre. Ce n'est pas le français de la France, ce n'est pas forcément le français. C'est quelque chose en quoi tout francophone se reconnaîtrait, simplement. Mm-hmm. Mais je dirais pour Nairobi, j'ai choisi de traduire dans un nushi même. Donc, voilà. On va y arriver à ce fameux Nairobi. Wow. Alors, voilà. Ça nous a traumatisé. On va passer maintenant aux traductions. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai coupé le texte en petits paragraphes. Et nous avons à gauche, nous avons la traduction de Mariette et à droite, la traduction d'Edwige et en bas, le paragraphe en anglais pour vous rappeler. Donc, je vais vous demander de lire vos traductions parce que je pense que la voix de la traductrice, on va l'entendre. Vos traductions sont très différentes, mais chacune, c'est dans votre voix à vous et on va voir et puis on va vous demander de commenter les différences. Donc, Mariette... Tu peux commencer? D'accord. OK. Admirer les étoiles depuis le toit du KICC à Nairobi, c'était tout ce qu'il me fallait pour oublier quel raté j'étais. Heureusement, il ne m'avait pas fallu longtemps pour trouver un job au Kentucky Fried Chicken de Kimathi Street. Et mon quart de travail finissait juste à temps pour me permettre d'explorer les entrailles de ma nouvelle ville dans une obscurité amicale. J'acceptais tout ce qu'elle avait à offrir, depuis ses soirées privées décadentes jusqu'à ses quartiers interdits. Merci. Edwige? Regardant les étoiles du toit du KICC à Nairobi et tout ce qu'il a fallu pour que j'oublie combien un échec j'étais. Heureusement que ça ne m'a pas pris du temps pour trouver du boulot à un Kentucky Fried Chicken sur Kimathi Street
et que mon service finissait juste à temps pour me permettre d'explorer les entrailles de ma nouvelle ville dans l'obscurité amicale. J'embrassais tout ce qu'elle avait à offrir, de sa décadence à ses soirées exclusives, à ses quartiers chauds. Merci. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire sur la traduction, enfin, sur votre traduction, sur la traduction de l'autre, enfin, en les voyant côte à côté? Quelles sont les choses qui vous sautent aux yeux? À moi, c'est quartier chaud qui me saute aux yeux, direct. C'est le choix de quartier chaud pour Red Light District. Voilà. Oui. Parce que j'avoue que c'est une notion que je n'ai pas trop... Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Et tout comme Edwige, je ne voulais pas forcément appeler l'auteur. Je me suis dit, bon, considérons qu'il n'est plus là et puis on se débrouille. Et je me demandais, est-ce que Red Light, c'est des endroits où il ne faut pas aller parce qu'on nous décrit ici quand même un Nairobi qui est un peu violent. Donc, est-ce que c'est des no-go zones, en fait, pour les personnes bien, ou est-ce que c'est dans ce sens de quartier, enfin, dans le côté décadence, débauche et tout? En fait, c'est un concept très européen. Ça vient d'Amsterdam, où le quartier où sont les prostituées sont en vitrine avec des lumières rouges. Et donc, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à une réalité africaine. Ah ben non, on a une red light district ici. Bon, on a la zone 4 à Abidjan qui est une red light zone. Donc, j'ai automatiquement pensé à ça. Oui. J'ai pensé à ça plutôt. Donc, un quartier où on peut trouver des prostituées et des choses comme cela. Mais je dois dire, je me demandais si je devais... traduit ça par quartier chaud, parce qu'un quartier chaud n'a pas nécessairement besoin de prostituer, ça peut être juste beaucoup de boîtes, beaucoup de maquis. Donc, je me suis dit, mais après, je me suis dit, bon, quartier chaud, on va avec quoi? Ça englobe tout, ça englobe les boîtes, un peu de... Ça évoque le même ambiance. Mais ça, c'est un exemple intéressant de quelque chose qui ne correspond pas du tout à la réalité dans votre pays. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a frappé? Il y a une phrase que vous avez fait pareil toutes les deux, explorer les entrailles de ma nouvelle ville dans l'obscurité amicale. Ça, vous avez fait la même chose? L'obscurité amicale, c'était quelque chose. Et puis, je pense que je suis allée avec parce que je ne sais pas si c'était l'obscurité, mais après, je me suis dit, bon, s'il y a les quartiers chauds et tout, on est dans le noir déjà, mais je ne sais pas si c'était le crépuscule parce que je ne savais pas à quelle heure son service finissait, le gars. Mais bon, et puis stargazing aussi, ça m'avait un peu, je ne sais pas si c'était observer, regarder, admirer ici comme Mariette Lamy. Après, je me suis dit, bon, écoute, on va avec regarder. Ok, on va passer au prochain. Alors, Edwige, tu peux lire? Ok, donc le travail au KFC était éreintant et souvent ponctué par l'omniprésence de Jorge Douglas. C'était un employé qui avait gravi échelon et salaire à ce KFC et qui n'arrêtait pas de me servir des conneries sur le fait que je n'étais pas très enthousiaste à propos de mon travail. Mariette? Ok. Le travail chez KFC était pénible et généralement ponctué par l'omniprésence de Jorge Douglas. C'était un employé qui avait travaillé dur pour se hisser à un poste important avec le salaire équivalent dans ce KFC et qui n'arrêtait pas de me gaver d'inepties inutiles comme quoi je n'étais pas très enthousiasmée par mon job. Merci. Des commentaires? J'adore gaver ici. J'adore gaver. Mais servir des conneries, enfin, vous avez toutes les deux choisi quelque chose qui a un rapport avec la nourriture. Oui, ouais. Oui, c'est exactement ça. On est resté sur l'anglais, je pense, parce qu'en anglais, on a feeding. Oui. Donc, je pense que nous ne sommes pas vraiment éloignés de l'idée initiale. Alors, moi, j'ai eu un problème avec ce usually punctuated. J'avoue que j'étais tentée de le laisser tomber même. Je me disais, parce qu'en fait, quand on est dans l'imparfait, était ponctué. Il y a cette régularité qui est quelque peu sous-entendue. Mais une fois de plus, j'avais peut-être aussi la pression du fait que ce soit un slam et que la traduction serait scrutée par d'autres personnes.
Mais j'hésitais beaucoup sur l'utilité de rendre ce généralement ou souvent en français. Oui, c'est intéressant, c'est souvent les petits mots de tous les jours qui posent les plus grands problèmes. Oui. Oui, le généralement ponctué, souvent ponctué, parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas toujours ensemble. Donc, c'est le travail qui était toujours pénible, mais quand ils étaient ensemble, c'était ponctué. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le usually, c'est que ce n'était pas constant. OK, autre chose? Bon, il y a aussi cette formulation qui, pour moi, c'est-à-dire... who had worked his way to a high rank and salary. Salary. Oui, ah, c'est une formulation aussi. Donc, j'ai dû vraiment étoffer pour avoir quelque chose qui me convenait, qui j'estimais sonnerait plus naturellement. Oui, donc ça foisonnait un petit peu dans ton texte. Oui. et Edwige, tu l'as gardé, cette forme très condensée. Ouais, parce que... Ouais. Et puis, je me disais, ça collait au personnage de Djoroge, quoi, tu vois. Ouais, ça collait au personnage de Djoroge. Mais oui, ça aussi, c'était quelque chose sur lequel je suis revenu un peu, quelquefois. OK, on va passer au suivant. Alors, Mariette, tu nous lis ta traduction. OK. À ce rythme, tu ne seras jamais l'employé du mois, dit-il en pointant la photo d'un autre gars qui avait été désigné en raison de son ardeur au travail et de son enthousiasme. Il y avait une section spéciale sur le mur où l'affiche était collée. C'était une affiche marron sur laquelle figuraient côte à côte deux carrés vides, l'un blanc et l'autre jaune, destinés à accueillir deux images. Merci. À ce rythme-là, tu ne seras jamais employé du mois, disait-il, montrant du doigt la photo d'un autre nouveau type qui avait été choisi pour son abnégation au travail et son enthousiasme. Il y avait une section spéciale sur le mur où la plaque était affixée. Elle était de couleur marron avec deux espaces carrés destinés à accueillir deux photos côte à côte et colorées respectivement en jaune et en blanc. OK, merci. Des commentaires? Ce passage a été difficile pour moi. Pourquoi? Ouais, ce passage a été difficile. Ça a été l'un des passages difficiles. À partir de There was a special section on the wall jusqu'à respecter. Oui. Moi aussi. Il y avait tellement de choses là. Je dis, mais attends. Ouais, donc c'était difficile. C'est peut-être parce qu'il faut pouvoir visualiser la chose et c'est pas trop évident à partir des mots. C'est pas trop évident à quoi ça ressemble. Ouais. Parce que pour Mariette, c'était une affiche. Pour toi, c'était une plaque. A placard. Donc, je crois que l'anglais veut dire que c'est quelque chose en dur, peut-être en bois. Une espèce ça, j'ai pensé. Cadre. Et ah, cadre. Qui okay. Encadre deux espaces pour les photos. Et c'est okay. Ça qui est difficile quand on n'a pas vraiment pu visualiser la chose. Mm. Parce que le placard, c'est permanent, mais les photos changent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ça a été difficile. Oui, et c'est vrai que ce que tu dis, Rose, justement, quand on dit... si on ne visualise pas la chose, ce n'est pas évident. C'est pas, moi, je n'ai pas été habituée en fait, à voir des endroits où on avait affiché l'employé du mois. Le seul endroit où je l'ai vu, c'était dans une clinique et c'était sur un format, un papier, une feuille. En fait, c'était accroché au mur. Donc, j'avoue que c'est la seule image que j'avais. Ah oui, dans cette image. Oui. Oui. C'était vraiment une petite affiche, là, format A4, qui était collée sur un mur. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu quelque chose de pareil. Donc, direct, ça m'a renvoyé là. Oui, mais ça c'est le genre de choses où souvent, quand je traduis un auteur vivant, je lui pose la question, je lui dis, mais décris-moi, quoi c'est fait, comment c'est exactement, exact. Quelle est la forme, parce que sinon on n'arrive pas à visualiser. Et puis le pointer du doigt, pointer que Mariette a mis
J'ai hésité à mettre pointier, mais tu sais, en Côte d'Ivoire, on te dit toujours, depuis que c'est toujours, on ne pointe pas. Donc, du coup, j'ai montré que tu dois très long. Ah, voilà, l'influence de la culture. Ouais, exactement. En tout cas, moi, ce que j'aime chez Edwige, c'est à ce rythme-là. Oui, c'est-à-dire, j'aime cela. Je trouve que c'est bien pensé. Ouais. Et souvent, c'est une question de rythme avec les mots aussi. Hein. Ce n'est pas simplement le sens, mais c'est le rythme du langage aussi, surtout quand les gens parlent. OK, on passe. OK, Edwige. OK. Donc, au-dessus de l'espace jaune sans image, à gauche, était inscrit « employé de l'année » et à côté, en dessous de l'inscription, à droite, employé du mois avec la photo du salaud qui occupait en ce moment la position enviée, qui plus est avait toujours un sourire sur les lèvres. C'est bon pour ton CV, tu sais. Imagine combien la position d'employé du mois à un KFC de Nairobi pourrait changer ta vie, continue Joroge. OK, Maria. Au-dessus de l'espace jaune vide sur la gauche était inscrit « employé de l'année ». Et à côté, sous l'inscription « employé du mois » à droite, figurait l'image du connard qui portait actuellement le titre convoité. En plus, il était toujours souriant. C'est bon pour ton CV, tu sais. Imagine à quel point être l'employé du mois chez KFC pourrait changer ta vie. Continuez, Jorogé. Merci. Alors, le mot « douchebag », nous avons « connard » et « salaud ». Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas. Ben, moi, je mets tout ça dans le même panier. Exactement. Alors, un autre problème aussi, une autre préoccupation que j'avais avec c'était les temps verbaux. Entre l'imparfait et le passé simple. C'est quelque chose qui est souvent qui est souvent compliqué pour moi. Et bon, par exemple, cette phrase, en plus, il était toujours souriant. Ouais. Moi, je n'ai pas su, à quoi est-ce que ça renvoyait? Est-ce que ça renvoyait à la photo? Il est souriant sur la photo? Ou est-ce que ça renvoie à l'employé qui est un personnage souriant au quotidien, en fait? Là aussi, je pense que c'est le gars. C'était... Enfin, voilà. Est-ce que c'est l'employé de la photo? Qui est souriant, là? J'ai été un peu perdue. Et quelle est ta réponse à ta question? Pour toi, c'est la photo ou c'est le type? En fait, je pensais que c'était la photo, mais j'avoue que là, maintenant, en lisant, du coup, je pense que c'est Jorogé. Non, c'est pas Jorogé, je pense que c'est l'employé. C'est le type, il est tout bien, quoi, l'employé du mois, là. Tu vois, Jorogé, c'est lui le manager, non? Ou bien, je sais pas. Oui, c'est ça. En tout cas, il est quelque chose là-bas. Donc, c'est l'employé du mois actuel là qui est toujours souriant dans le KFC, quoi. D'accord, ok, c'est bien, c'est ce que j'avais pensé. Donc. Le type de sourire un peu bête, là, que personne n'aime. Des fois, le traducteur trouve des ambiguïtés et que l'auteur ne sait pas, sont là. Et quand on pose la question à l'auteur, ils ne se rendent pas compte qu'il y avait cette ambiguïté. Donc, on va poser la question à Tsekachou. Il est là? Oui, demandez-lui aussi pour convoiter puis pour envier, parce que là, je ne sais plus. C'est caché, on y fait. Yes, I'm here. Yeah. Did you hear that in the paragraph was a picture of the douchebag who currently held the envied position, plus he always smiled. And the translators were not sure whether the he always smiled meant the photo or the guy. Yeah, the photo. And it's been very interesting listening to the different ways in which they have approached that particular sentence. But yeah, it's the person on the photo, not Jorgen. Yeah, so it's like every time they looked up, they see this guy smile. Exactly. Yeah, is that the idea that, you know, there's this photo and he's always there, always smiling? Yes. Okay. Okay, so useful having the author there. I know, because I didn't think it was a photo.
Okay. Okay, anything else on this one? Okay. Yeah, I like the titre convoité. It was nice. Mm. Okay, moving on. So, Mariette. Je restais silencieux. Il fit une pause et continua. Tes cheveux sont toujours négligés. Si tu veux porter une coupe afro, fais en sorte qu'elle soit soignée, pour l'amour de Dieu. Tu fous une sacrée frousse à certains de nos clients et peut-être même que tu rappelles à certains d'entre eux leur rencontre rapprochée avec Nairo Berry. And Edwige? Je gardais le silence. Il marqua une pause et ajouta. Tes cheveux sont toujours en bataille. Si tu veux faire un afro pour l'amour du Christ, garde-les soignés. Tu es en train de foutre la trouille à certains de nos clients et peut-être même que tu rappelles à certains d'entre eux leurs accrochages avec la naïpampan. Ah. The famous naïrobbery, which is about naïpampan. Naïpampan. So, deux choix très différents. Edwige a choisi de faire un jeu de mots en français et Mariette, tu l'as laissé en anglais. Alors, Mariette, tu peux nous expliquer le processus de ta pensée pour arriver à cette conclusion? Oui, alors, c'est d'autant plus compliqué pour moi, en fait, de traduire un mot pareil parce que, justement, il fallait garder cette racine-là ou il fallait quelque chose qui nous rappelle qu'il s'agit de Nairobi parce que c'est pas juste un jeu de mots quelconque, c'est un jeu de mots qui est basé sur une ville. Et ils ont fait le jeu de mots justement entre Nairobi et robbery. Donc, à la base, ce que je voulais faire, c'était la même chose. Partie sur un jeu de mots, Nairobi, et puis quelque chose en français comme dérober. J'ai trouvé que dérober, ça sonnait bien. Mais après, quand j'ai essayé de mélanger, enfin, j'ai trouvé rien de convaincant, en fait. Donc, je me suis rabattue sur Nairobi simplement parce que toutes les propositions qui me venaient à l'esprit n'était pas agréable à l'oreille, c'était pas agréable à entendre ou même à lire. Donc, j'ai choisi la sécurité. Donc, tu as fait vraiment le tour des maisons pour arriver au point de départ. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est vraiment, j'ai fait le tour. J'ai vraiment essayé, j'ai trouvé vraiment plusieurs synonymes, plusieurs mots qui iraient dans le sens de l'insécurité, du vol, de la criminalité et tout. Mais à la fin, je n'avais rien de convaincant. Donc, j'ai laissé tomber. Mais des fois, c'est ça la traduction. On explore 36 solutions et on revient au point de départ. Et Edwige, tu peux expliquer comment tu es arrivée à ta solution? Alors, je me suis dit, oui, c'était bien sûr le jeu de mots, c'est Nairobi et puis c'est robbery. Donc, au début, et puis j'ai voulu traduire aussi. Et puis, je me suis dit, bon, robbery, c'est quoi? C'est quoi en français? Et je voulais faire le même jeu de mots. Donc, j'ai pensé naïf braquage. Et puis, après, j'ai pensé naïf braqué aussi. Après, j'ai pensé naïf pickpocket, naïf pick, naïf crime. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, donc, c'est robbery, mais c'est un mot, je pense, qui a été formé par la rue. C'est pas... Tu vois, voilà, c'est un mot, en tout cas, qui a été formé par la rue, par les jeunes, tout et tout. Donc, je me suis dit, bah, le robbery, du coup, le braquage, dans le langage de la rue ici, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Et c'est pampan. Donc, je me suis dit, on va faire naï pampan. Bravo toutes les deux. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce passage? Ouais, tu veux les cheveux, en fait. Je sais que je porte j'ai des cheveux afro depuis ma naissance, mais je ne sais pas si les cheveux afro sont en bataille ou bien s'ils sont négligés. Oui, alors ça, c'est quelque chose aussi... C'est un détail qui est important. Justement, d'un point de vue culturel, et cette perception de cheveux afro. Parce que ça, c'est un vrai débat qu'on a ces temps-ci. C'est que... Il y a plein de personnes qui pensent qu'avoir, par exemple, des dreadlocks ou des cheveux afro, ça ne fait pas propre et tout. Donc, c'était difficile de... Et, en fait, il y a des personnes qui pensent que le cheveu afro, en fait, ça fait négliger.
T'as dit, moi, la coiffure que j'ai habituellement, là, machin, on dit non, c'est négligé. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Et c'est des remarques que personnellement, j'ai entendues souvent. Personnellement, on m'a dit ça, mais tes cheveux, c'est négligé et tout. Donc, c'était une partie un peu embarrassante. embarrassante. Et vraiment, je connais ça. Tes cheveux sont toujours négligés. Il faut être soigné. Il faut les soigner. Soigne ta coiffure. Et en fait, quand les gens parlent de soigner, en fait, on parle, il faut les peigner et puis il faut tasser comme ça pour que ça n'ait pas de... voilà. Mais bon. Donc, j'ai juste dit ce que j'ai eu l'habitude d'entendre, moi, simplement. Mais c'est intéressant ce qu'on amène de sa propre, enfin, sa propre expérience, sa propre vie dans la traduction. C'est en même temps très visuel parce qu'il faut essayer de voir la tête du type avec les cheveux, comment ils sont, mais aussi... Il y a ses propres expériences qui ne peuvent que entrer dans la façon dont on interprète les choses. Mm-hmm. Ok. Et puis on a pour l'amour de Dieu et pour l'amour du Christ. Ah ouais. Ouais, je suis restée avec l'amour du Christ. Parce que vas-y, juste là, j'ai fait le truc de Christ n'est pas Dieu et Dieu n'est pas Christ. Je pense que c'est mon catholicisme, là. Ouais, ça aussi. Je crois que peut-être que ça aussi, ça a une influence, moi n'étant pas forcément chrétienne. Mais je pense que j'ai juste... j'avoue qu'ici, j'ai parlé, c'est ce qui se dit naturellement, c'est ce que j'entends le plus souvent, en fait, c'est pour l'amour de Dieu. Mm. Donc, peut-être quelque part ici, j'ai un peu pris le pas sur l'auteur et je suis revenue à mes habitudes à moi. J'entends beaucoup pour l'amour de Dieu, simplement. Oui. And for Christ's sake, it's a very usual expression in English. It's just, oh, for Christ's sake. Comme tu dis, c'est ce qu'on dit. Mais donc, toi, tu as mis quelque chose... pour l'amour de Dieu, parce que c'est ce qu'on dit. Edwige, est-ce que pour l'amour du Christ, c'est quelque chose qu'on entend souvent? Là, je me suis imaginée avec la high middle class à Abidjan, quoi, qui vont dire l'amour du Christ. C'est moi, je me suis vue quelque part à la fondation d'Ovaï. Je suis désolée. Ou là-bas, les gens diraient l'amour du Christ au lieu de l'amour de Dieu qui fait un peu terre à terre, qui fait un peu gens de la rue. Donc, ouais. Ah, d'accord. Ok. Edwige, on va commencer avec toi. D'accord. J'allais pas voir. Ok. Pardon, mon écran. Ok. En fait, ton écran... Ton écran, en fait, bat le... Ah. OK, voilà. Tu n'arrives pas à voir? Oui, ça va. Regarde, je suis de ton côté ici et je suis responsable de tous les employés ici. Si d'ici la fin de l'année, ça montre que tu n'as jamais été un employé du mois, tu pourras dire adieu à ton boulot. Ce gars-là parlait des KFC comme si son pays était actionnaire et pour tout ce que je savais, le connard était aussi sans le fric comme je l'étais. Mmh. Alors, moi, je vois le mauvais écran parce que ce que je vois, moi, ça commence par un jour quelques employés de KFC. Oui, oui, ça vient de changer. Ah, ouais. C'est pas là. Pardon. Voilà. Mariette? Voilà. OK. Écoute, moi, je suis de ton côté et je suis responsable de tous les employés de ce KFC. Si d'ici la fin d'année, ton profil indique que tu n'as jamais été employé du mois ou de l'année, tu pourras dire adieu à ton job. Le mec parlait de KFC comme si son père y était actionnaire. Or, à ma connaissance, il était presque aussi fauché que moi. OK. Des commentaires? Sans le fric. Alors, est-ce que sans le fric, c'est une expression commune? Je ne sais pas, parce que j'avoue que je n'ai jamais entendu. Sans le sou, oui. Sans le fric, non. Je ne connais pas. Tu sais, et puis j'ai oublié aussi employé de l'année. Moi, quand j'imagine ce gars-là, le gars-là, il ne veut pas travailler à un KFC. J'imagine que c'est un gars quand même qui lit un peu. Il n'est pas dans les petitesses des KFC, quoi. Il est là parce que c'est la vie qui a fait ça. Donc, je lui ai donné un langage un peu plus intéressant, un langage de la supposée moyenne classe à Abidjan.
Donc, laissant le fric. OK. Et puis, on a le job et boulot. Ah, c'est intéressant. Bon, job, je crois que je suis juste restée près du texte, simplement. C'est la deuxième fois, d'ailleurs. Je crois que la première fois, Edwige l'a rendu par travail, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais déjà mis job là-bas. Ouais, donc, au début de travail. Juste léger job, simplement. Et voilà, justement, employé du mois ou de l'année. Ça, c'est oui, j'ai oublié chez... de l'année. Ah, d'accord. D'accord. Et puis, j'aime aussi, Edwige, c'est ce que je disais, c'est dans la manière de traduire. Est-ce qu'on traduit en français de la France ou quoi? Quand tu dis ce gars-là, j'aime beaucoup, je vois bien, je vois qui a traduit, je vois, je peux deviner d'où vient le traducteur. J'aime ce choix courageux. Ce gars-là, voilà. Mariette? Un jour, quelques employés de KFC et moi nous amusions aux dépens de Mugo. Un employé qui vénérait le titre d'employé du mois, lorsqu'une femme qui ressembla à un ange entra. Le silence nous tomba dessus comme dans une embuscade. C'était une de ces Kenyanes indiennes qui avait hérité du meilleur des deux cultures. Et la plupart des habitants de Nairobi auraient tué ou été tués pour elle. Merci. Edwige. Alors, un jour, certains employés du KFC et moi, nous moquions de Mungo, un employé qui vénérait la position d'employé du mois, quand une femme qui ressemblait à un ange échoué est rentrée. Le silence s'abattit sur nous comme une embuscade. C'était une de ces Indo-Kenyans qui avait pris le meilleur des deux mondes et la plupart des Nairobiens tueraient pour elle. Ah oui, voilà cette formulation-là. Je n'ai pas voulu trop étoffer et j'avoue que je n'ai pas été satisfaite de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, je traduirais ça encore autrement. Là. Moi-même, Amélie. Ouais, ouais. Et puis voilà, et Nairobien ou habitant de Nairobi, ça aussi, voilà une autre. Je crois que cette phrase avait beaucoup de petites questions pour moi. Ah oui, je te dis, mais le truc de Kenyan, Indienne et tout là. Et autre chose, employé, employé, employé. Dans la première phrase, employé revient trois fois. Et une fois de plus, bon, j'ai opté pour cette sorte de sécurité, neutralité. Je ne voulais pas trop m'éloigner du texte, mais à y repenser, dans tous les cas, je décrirais tout cela autrement parce que ce n'est pas très agréable maintenant que je l'entends. Parce que je n'ai pas lu ce texte à haute voix. Ah. Et là, l'entendre comme ça pique un peu. Ouais. C'est pas agréable. Mais c'est vrai que partie du processus de la traduction, c'est quand on lit à haute voix, on entend des choses qu'on ne voit pas sur la page. Ouais, j'aimais ton comme dans une embuscade. J'aimais le dent que tu as mis. Ah oui, ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Parce que je ne sais pas si une embuscade, je ne sais pas en fait, ouais. Et Edwige, je voulais te demander, un ange échoué. Ouais, ça aussi, ouais. Alors, un ange échoué, c'est là où j'avais voulu appeler Zeka. Un lost angel. Encore. Et moi, j'ai quand même... Ouais, je me suis dit, voilà, elle a échoué sur la terre, en fait. Elle était dans son coin où les anges sont là. Et puis, elle a échoué sur la terre. Donc, elle est toujours un ange, mais... Ce serait un ange déchu, en fait. C'est vrai que j'ai complètement... C'est un ange déchu. Parce que si tu es déchu, tu as perdu de certains de tes pouvoirs. Je pense qu'elle est toujours un ange. Elle a sûrement échoué avec nous, les autres mortels sur la terre, ici. Mais alors, est-ce que en anglais, Lost Angel, je veux dire, est-ce que Lost Angel, bon, enfin, parce que moi, dans échoué et déchu, en fait, tu viens de dire la nuance telle que tu l'aperçois, mais globalement, j'ai juste l'impression que c'est la même chose, quoi.
Il y a des échos, hein, je crois qu'on va demander... Échoir, échouer. Ouais. Ouais. Moi, je l'avais compris un peu comme paumé, un ange qui a perdu son chemin un peu, mais on va demander à Cashew qu'est-ce qu'il entend par Lost Angel. C'est Cashew, can you unmute? Yes. What did you mean by Lost Angel? So fallen angel, or pretty much an angel that is in an unusual place, a place where you wouldn't expect to find an angel. But fallen angel, kind of. So I think he's fallen. Yeah. A fallen angel is an angel who's behaved badly, who's been kicked out of heaven. Yeah. I also like that ambiguity around it. So it's. I think I'm more comfortable with something that plays with an angel in a place that they're not supposed to be, without really giving a reason for that. So like an angel who's kind of lost her way. Yes. Ah, donc on reviendra perdu. En fait, il faudrait chercher dans ce champ sémantique là. Ouais. There's a suggestion in the chat from Raoul of égaré. Oui. Que j'achète. It's interesting how a very simple word like lost, yeah, sort of different implications and meanings that when you start to think about what it actually means. Le fait est que je crois que parfois quand on traduit aussi on réfléchit trop. Ouais. Ah oui. En fait, là, on est allé, on a trop réfléchi parce que mine de rien, en fait, c'est plutôt simple finalement. Ouais. On a été et comme vient de dire Dekashu, en fait, il a aussi joué sur cela. Il a joué sur l'ange déchu, sur l'ange perdu et tout. Et je crois que nous, on a rué de l'autre côté, quoi. On a rué de l'autre côté. Ouais, j'ai trop regardé Lucifer, en fait. Vous connaissez la série, là, Lucifer? C'est un ange. Ouais, exactement. Donc, j'ai pensé à lui. Parce qu'il est vraiment beau, le Lucifer. Donc, je me suis dit, c'est un gars comme ça. Le féminin de Lucifer, en gros. D'accord. Voilà, exactement, le féminin de Lucifer. Seulement, elle est un ange. So, I wanted to ask you, so, in Mariette's translation, we have Kenyan Andean, and in Edwige, we have Indo-Kenyan. How did you decide to do Indo-Kenyan ou Kenyan Andean? Ah, voilà. Alors, ça aussi, ça revient sur le sens. Qu'est-ce qu'on appelle Kenyan Indians? Parce que j'ai une... Enfin, je sais qu'au Kenya, il y a des personnes qui sont originaires de l'Inde, mais qui ont la nationalité kenyane, quoi, qui vivent là depuis des siècles. Donc... Et j'hésitais un peu, je me demandais, est-ce que c'est une métisse? Est-ce que c'est juste une personne d'ascendance indienne? C'était très compliqué. Enfin, moi, j'ai pensé à métisse. De vivre en fait. La personne, de savoir où la situer socialement. Donc, j'ai simplement, mot à mot, Kenyan, indienne. Simplement. Moi, j'ai plutôt pensé à une métisse. Donc, pour toi, c'était plutôt physique. Ouais, pour moi, c'était physique. C'est, voilà, un parent kényan, un autre parent indien. C'est Cashew. Viens nous dire. Yes, so the character has one parent is from India and the other one is from Kenya. D'accord. Donc. And it's actually mentioned later on in the story. From India, not from the Indian community in Kenya. No. Oh, voilà. Donc, j'étais à l'ouest. Voilà. Ah, mais non, moi aussi, je suis maintenant à l'ouest parce que... OK, donc elle est de l'Inde, donc pas de la communauté... OK. So really, when you're translating, you need to have the author in a little drawer that you can pull out and consult every so often. Oui, ça simplifie quand même deux choses. Yeah, but if this was a publishable thing, yeah, we would have drawn the Cashew out. Okay, and the last one, let's start with Edwige. Okay, ses cheveux noirs épais et doux coulaient derrière elle comme une rivière
et sa peau avait la couleur du chocolat. Ses ongles étaient peints en noir et reflétaient la couleur noisette claire de ses yeux rêveurs. Elle commanda un cheeseburger poulet et, partant de sa commande, alla au jukebox et mit Sunny de Bonnie M. La mystérieuse fille partit après un moment et tout le monde resta subjugué comme s'ils étaient dans un rêve duquel ils ne pouvaient se réveiller. Son épaisse et douce chevelure se déversait dans son dos comme une rivière et sa peau avait la couleur du chocolat. Ses ongles étaient vernis de noir et reflétaient la couleur noisette de ses yeux rêveurs. Elle commanda un cheeseburger au poulet et pendant qu'elle attendait, elle alla au jukebox et mit Sunny de Bonnie M. La fille mystérieuse s'en alla après un moment et tout le monde sembla troublé, comme s'ils étaient coincés dans un rêve dont ils ne pouvaient se réveiller. Okay, any comments on that one? The word flowed with hair, just, you know, I think I went to school there because I thought of a river. But yeah, this stumped me. And then, yeah, I like the choice of vernis de noir, but I thought it was more of a, you know, of an art thing. This is an angel, remember? So I thought it was an art thing, so I went for paint instead of like vernis. Vernis is kind of normal for this girl. So yeah. Okay. Mariette, have you got any comments? Oui, pour revenir sur flow behind her like a river, j'ai vraiment une fois de plus exploré tout le champ sémantique de oui, c'est ça, mais bon, je crois que j'ai préféré l'idée se déverser un peu. Peut-être que j'ai surtraduit comme dans une chute d'eau. Je vois bien son épaisse chevelure là qui est dans le dos et dans le même rythme en fait qu'une chute d'eau. C'est pourquoi j'ai parlé de se déverser. C'est plus cette image-là. Moi, j'aime aussi déverser. Oui. It's very visual, isn't it? I mean, you're describing what you see. So you have the English text that creates an image in your mind, and then you give your reader that image, which is what we do when we're translating, is really translating the image. Mm-hmm. Et puis, Edwige, donc, il dit... Et pour attendre sa commande, elle a au jukebox. J'aime bien ça. Pour attendre sa commande. Et aussi subjugué. J'aime subjugué. Je crois que c'est plus puissant que juste troublé. Je pense que les gens étaient vraiment subjugués par cet ange. Amused. Yeah. Okay. Sekeshu, do you have any comments on the translations? I mean, I'm really impressed by the kinds of conversations that I've had about it, and it has made me really think about many of the choices that I made. And I've seen things that I did not even see initially, and I'm really happy about this conversation. Yeah, it's I think nobody reads a text as closely as a translator. I think it's always interesting for authors to find out what they've written. Shall we go to questions from the audience? Yeah, sure. So there are a few questions. There's been a bit of debate about égaré and lost angels and kind of maintaining that ambiguity that Zekashi was talking about. There are two questions in the Q&A. So the first from, maybe I'll read both of them and then you can respond. David says, pourquoi dans la plupart des cas Edwige a préféré traduire les temps passés par des verbes par le mode indicatif? Est-ce pour faire revivre les faits? Merci. And then Roger Fopa has asked, it's about the tone of the text. He says, le ton du texte me semble sarcastique. On y sent un style d'expression très à l'africaine.
Ne pensez-vous pas que cela appelle une traduction très à l'africaine? Shall we take the questions one at a time? Shall we? The first question was for Edwige and the verb tenses. Do you want to answer that, Edwige? The verb tenses. You know, this is something that I don't know exactly what verb you mean. I did the infinitive. Is it like the first? I don't have the original text in front of me, but I have my translation. I thought about the flow of the text. So I thought about how, you know, because I know that I, about the part about, you know, I use the passé simple, je gardais le silence, il marqua une pause. Yeah. So I think it was by reading it out loud that I got, yeah. Mm. I don't know how to answer that. Okay, thank you. And then Rose, could you repeat the next question? Roger said, le ton du texte me semble sarcastique. On y sent un style d'expression très à l'africaine. Ne pensez-vous pas que cela appelle à une traduction? Cela appelle une traduction très à l'africaine. Bon, je veux bien répondre. Je pense qu'on a, on a justement commencé la discussion là-dessus. C'est le premier point que j'ai évoqué. C'est l'audience ici. C'est-à-dire qu'une traduction à l'africaine, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour qui? Donc, personnellement, j'ai choisi, comme je le disais, j'étais dictée par le fait qu'il s'agisse d'un slam et tout, d'un texte qui va être présenté et discuté. Donc, j'ai choisi la neutralité. Mais j'avoue que c'est, si c'était dans un autre contexte, je l'aurais un peu plus africanisé, oui. Je l'aurais un peu plus africanisé, comme je disais, partant du principe que l'auteur est camerounais, je suis camerounaise, et puis le texte se passe en Afrique. Je pense qu'on aurait pu l'africaniser un peu plus, et tout en restant, tout en gardant l'idée, quoi. On aurait pu, oui. Alors oui, moi aussi, j'abonde dans le premier sens de ce que Mariette a dit, dans le sens où c'est quoi africain. Je trouve toujours intéressant qu'on parle d'africaniser les choses, mais quand on nous dit que Africa is a country, on se fâche. Du coup, est-ce que Africa is a country? Ça, c'est notre débat pour un autre jour. Pour la partie sur la narration, j'ai vraiment laissé, j'ai vraiment laissé dans un français assez standard. Et ce sont dans les dialogues que je suis allée, par exemple, à ce rythme-là, le gars là, regarde. Parce que, voilà, ici, en Côte d'Ivoire, on ne dit pas écoute, on dit regarde. Tu vois, tu es en train de foutre la trouille. Donc j'ai essayé d'utiliser des mots, des mots comme cela. Mais voilà, quelqu'un aussi lirait ça et me dirait, en Abidjan, on ne dit pas, tu vois, foutre la trouille à quelqu'un. Donc ça dépend aussi, au-delà d'être africain, je pense que nous sommes aussi dans un contexte socio-culturel, socio-économique aussi, qui fait qu'il y a certains mots qu'on ne sait pas toujours. Mais africaniser, je ne sais pas. Could we ask Sakashu, when you wrote this, what audience did you have in mind? By default, I always have a Cameroonian and an African audience in mind. Et je voulais juste préciser, voilà, Edwige a mis le point sur quelque chose d'important. Pour moi, en fait, africaniser, c'est camerouniser, parce que justement, il n'y a pas un français uniforme. En Afrique, quand je parle d'africanisant, en fait, moi, c'est camerounisé. Je le remettrai dans mon contexte à moi, qui n'est pas le contexte de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas le même argot et tout. OK, thank you. Ruth, do we have another question? Yeah, there are a couple more. So Emma Sherkliff has asked a question, which is about the swear words. She thought that the difference between for God's sake and for Christ's sake, that was quite apparent, that there was a big difference between those. James said that he thought they were used in the same context here. And then Emma's followed up and she says, on the same theme as my query above,
I'm really intrigued by the translation or lack of motherfucker. For me, the force of that word doesn't seem to have been conveyed into the French. It feels a more violent term in the English. I note that connard has been used for both douchebag and motherfucker within the texts, but there is a large difference in tone between these terms in English. And then she says, I do think that swearing is one of the most difficult things to translate and would love to hear the panelists' view on this. Très intéressant. Je pense que j'ai eu une discussion là-dessus il n'y a pas très longtemps. Et une fois de plus, on est formaté en fait par notre environnement. Déjà, ce n'est pas le genre de mot fils de pute ou je ne sais pas trop quoi que j'entends souvent. Et même à la télé, c'est quelque chose qui est très dilué. C'est-à-dire, quand je regarde des séries américaines et quand les mêmes séries, on les regarde en français, c'est complètement différent. C'est-à-dire, c'est des choses que le français va policer. Là, on va dire « motherfucker » en haut, « get your shit together », ce genre de choses. Ça ne revient pas en français. Le français ne rend jamais ces termes scatologiques ou très, très sexualisés-là. Donc, j'ai vraiment pris ce parti-là, influencé par ce que je vois les doubleurs font ou les sous-titreurs font faire à la télé. Mais une fois de plus, comme je disais, selon le contexte, selon l'éditeur aussi, selon la cible, je pourrais rendre ce texte, enfin, ce mot littéralement, on pourrait le rendre littéralement selon la cible. Et ça aussi, ça revient sur les choix éditoriaux. Est-ce qu'on a un éditeur qui assumerait d'avoir ce genre de terme dans son texte? C'est une autre question. Merci. Motherfucker, même ça intervient où dans le texte original? Que je suis en train de voir, parce que motherfucker à Abidjan, ce serait soit ta mère con ou bien Babie. Je dis la même chose, mais en bambara, mais qui est dans le Nushi maintenant. Donc, j'étais en train de regarder ça intervient où dans le texte original. Okay. For all I knew, the motherfucker was almost as broke as I was. Ah ouais, donc ici, motherfucker, oui, je ne pourrais pas traduire ça même par, tu vois, sa mère qu'on était. Sa mère qu'on, ça, c'est une insulte qu'on utilise à Abidjan avec les chauffeurs de taxi toujours. Ta mère qu'on mais je n'aurais pas pu l'utiliser ici. Donc, c'est pourquoi je pense que j'ai choisi Kona ou quelque chose. Yeah, you had le connard. I think... The thing with all those words in English, it's when they're spoken, it's the intonation and the context. If you're angry with somebody or not, and here it seems to be being used just as meaning guy. You know, he's not angry with him. He's not. It's just, you know, the motherfucker. It's just being used as kind of a way of saying the guy. And I think that's the problem with a lot of English swear words, is that they tend to be used just as random everyday words as adjectives, yeah, verbs, etc. It's really the intonation that goes into them that tells you how they're being used. Does Zakashi want to come in on that one? On the motherfucker? Hi, Rose. Hi. Yeah, so it's very much an everyday usage with an undertone of sarcasm, but it's just a basic word for guy. There's no real malice or anything else behind it. Yeah. So what you did in your translations, le mec, ce gars-là, is exactly in the sense of the English. Yeah. Any other questions? I wanted to say, if anyone would like to speak their question, we do also have the power to give you the microphone, so please just say in the chat if you'd like to do that. It's always nice to hear voices. But there is one more, another question from Georgina Collins. She says she'd love to hear the extent to which you worked on the musicality of the text, the sound of words, alliteration, etc., whether deliberate or not by Zakashi. That's a very interesting question, and it's very much tied to the main character's background. So the main character is an educated middle-class person with a very high and mighty tone, and due to
circumstances, they're stuck in a situation that they did not expect, and they kind of take it out on everybody. So the musicality comes from the educated background of the narrator, and the sarcasm in it is just the narrator taking out their unfortunate circumstances on other people. So I guess the follow-up is kind of how far did the translators work on the musicality in French, the sounds of the French words and the alliteration in your translations, kind of regardless of whether they were present in Zekashu's text? No, I perceive the sarcasm in Zekashu's text. And I think that's why I went. So I tried to render that in my text. I do not know if it showed so much. And I saw Jorogi as this guy who thinks that, you know, this is the best thing since sliced bread. So yeah, but alliteration, no, I did not pay so much attention to the musicality, maybe the sarcasm, yeah. Thank you. Another question? Yeah, so James has asked, what does Nai Pan Pan as used by Edwige, what exactly does it mean? And does it actually exist? No, Nai Pan Pan will never exist because we don't care for Nairobi. but pampa exists in the sense that robbery is a pampa. You know, somebody's done a pampa on you. Quelqu'un t'a fait un pampa, quelqu'un t'a agressé, accroché, tout et tout. Donc voilà. And I just put them together. But I think if this text was going to be published, maybe I just leave Nairobi, because there is like Abidjan that is called in our language like Babi Labelle. So Babi Labelle is Babi Labelle. I would hate to see Abidjan being translated as Babi the Beautiful. This is not the same. So yeah. But here I thought, you know, I just let my vanity kind of translate across. So hence the Nai Pan Pan. This is just vanity translation. So is Pan Pan used in Nushi? Yeah, Pan Pan is a Nushi word for robbery. So I just added the Pan Pan to the Nai. There is another question, Georgina again, but I think it's Georgina and four. They were wondering about the use of punctuation and formatting in the text, especially in the speech, because you've worked quite differently in your translations there. So looking at this one, for example, Do you want to comment on that, Mariette and Edwige, the way you've punctuated? C'est vrai que c'est l'une des choses qui m'a sauté aux yeux quand le texte était affiché. J'avoue que je n'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir sur la mise en forme des dialogues ici. And Edwige? I just went to the usual, because Jorge was speaking, it came in with as a rhythm là. So at this rate, so that's why I opened the dialogue and then, you know, I closed at the end. So I just did a normal standard dialogue thing. Je vois avant la question de Georgina Info, il y a une question de, bon, Afrique, je ne sais pas de qui elle est. Africaniser la traduction, mais l'original est-il africanisé à vos yeux? J'aimerais entendre Edwige là-dessus avant d'y aller. Is it because I know Zekashu? Oui, pour moi, c'est... Non, je disais tout à l'heure, je déteste en fait le truc d'africaniser. Parce que si on est d'accord que l'Afrique n'est pas un pays, pourquoi est-ce qu'on veut africaniser? Oui, j'ai trouvé que c'est... Voilà, c'est... Oui, ça lit comme... mais je connais Zekashu, donc ça lit comme Zekashu écrirait. Ouais, you're scaring the shit out of ça. Je me disais, oui, c'est un Kenyan qui est en train d'écrire. Voilà, donc je n'ai pas vu une supposée africanité ici. Alors, voilà, en fait, je suis d'accord avec Edwige. Le texte n'est pas forcément africanisé. On a beau être à Nairobi, certainement que les personnages principaux sont des Noirs et tout. Je ne le sens pas forcément africanisé,
Mais je crois que quand on traduit, justement, le plus important, c'est l'audience. Moi, j'ai souvent l'impression que les textes africains traduits sont européanisés, entre guillemets, ou alors ils sont normalisés, c'est-à-dire les traductions sont rendues dans un français qui est normé, qui n'est pas le français que moi j'utiliserais en français au quotidien. Et parfois même la traduction de certains mots ou de certains mais. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance parfois les traducteurs plutôt à expliquer qu'à simplement mettre le mot qui était dans la langue originale. Et l'un des exemples que j'ai africaniser la traduction, le dernier texte littéraire que j'ai traduit où il y avait Ouattalif, que j'ai rendu en français, j'ai laissé Ouattalif. Mais je pense qu'un autre traducteur aurait pu faire un autre choix parce que cette plante, en fait, existe en français. Donc, il aurait pu mettre, je ne sais pas moi, épinard ou quelque chose dans ce sens-là. Enfin, j'ai oublié le nom même de la plante, mais il aurait pu le mettre. Donc, quelquefois, ce n'est pas forcément le texte de départ qui va dicter ce choix, mais plutôt la cible. Voilà. Ruth, do we have another question? Joseph has asked for another clarification about Naipampam. Si c'est une traduction ou adaptation. Je dirais adaptation. Naï, c'est pour Nairobi. Et le robbery, c'est ça, j'ai traduit comme je me suis dit robbery. Parce que j'étais en train de penser à Naï braquage, Naï braqué, Naï pique, Naï pickpocket. Mais je n'ai pas voulu rester dans braquage parce que braquage faisait très français, peut-être français de France pour moi. Et je me suis dit, comme Nairobi, ça me semblait un mot qui a été créé par la rue ou dans la rue. Donc, j'ai choisi de faire cette adaptation avec le pampan. Pampan qui est robbery en Nouchi. Et Naï, mais personne ne va utiliser Naï Pampan à Abidjan parce que ça ne veut rien dire. Tu vois, on va juste utiliser Nairobi. Tu vois, c'est pas Nairobi, c'est pas aussi proche de nous que Ouaga ou bien Bamako ou Lomé. Nairobi, c'est loin là-bas. Donc, c'est très loin, ce n'est pas dans notre contexte. Oui, et pour dire aussi que quand on va en ligne, en fait, on trouve Nairobi, parce que moi, j'ai essayé de faire des recherches là-dessus. Donc, il est clair que si tu laisses Nairobi, tout le monde sait forcément immédiatement à quoi ça renvoie dans l'actualité, en tout cas. Mm-hmm. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, le Naipampan, c'est pour ce besoin-là du translation slam. C'est vraiment ma vanité de traduction ici. Ouais, c'est vraiment une vanité, quoi. Si ce texte allait être publié, édité, non, j'aurais laissé Nairobi. Parce que tout le monde saurait Nairobi, mais Naipampan, ce n'est pas évident. I just sort of have a follow-on. I'm quite interested in that idea of, you know, being vain as a translator. Like, if it's important to have a voice as a translator, is it possible to be too vain? Like, where do you pull yourself back? Where do you aim to be a bit more neutral, perhaps, like Mariette has done? I pull myself back if this text was going to be published. Here, I didn't pull myself back because if you cannot be a little bit vain, like during the translation slam, what are you doing? When will you be? Exactly, when will you be? Let me be vain, man. No, I feel at Vish, but yes, I took the other way. Like I was very shy, you know, about this text, about the way. I think there's not too much on me in this text particularly. Because you know, you were scared the guy would catch you back in Yaoundé. Oh, he's not very far. You know? I think when you're translating for a slam, sometimes you do want to be a little bit provocative in a way that you wouldn't necessarily if you were translating it as a normal translation job. Yeah. I think I should just say thank you to both of the Mariette and Edwige for being brave and doing this slam, because it's a bit like being asked to take your clothes off in public. Yes, exactly. definitely. Credit to you. I was shy. Thank you. Do we have any other questions? Yeah, we do. There's a question from Ray here. Ray, would you like to speak? Oh, wonderful, Ray! Yeah, Ray, I give you the microphone. You can speak.
as a participant in the workshop. Yeah, hello. Hello. Hey. Hi, I'm from Yaoundé. It's raining here. Oh. Do you want to share your question, Ray? Yeah, it was just about emotions. So I read the script and both translations, and I just felt some kind of hesitation between standing in the shoes of characters or keeping distance. So I wanted to ask Mariette and Edwige how they managed, how they felt about emotions in that work. I just feel like they kept some distance and didn't go railing. They didn't want to be hard on what was already hard. Okay, they went with really smooth descriptions and stuff like that. So I just want to know, why did they keep distance and didn't go really deep inside, like all those motherfuckers, all those hair unkempt, all those stuff, and just they tried to make it really, really soft. Oh. Well, motherfucker for me, because he was in a narration, and I think as the casual explained, he meant like guy, whatever. So I couldn't translate for me as anything else. So I think I translated it as kona, but kona is something that we say easily here, like, you know, in Abidjan, for mek, for whatever. Oh, chien kona doesn't mean like, you know, this is not an insult. As for les cheveux en bataille. Oh, I went there. I mean, you're trying to foot la trouille. I don't know. I think I went really heavy there, but maybe I'm just a posh girl. Maybe this is my way of just going in. Bon, personnellement, j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir été de n'avoir pas rendu les émotions. Après, une fois de plus, peut-être que la personne qu'on est transparaît. Je ne suis pas la plus extravertie émotionnellement parlant, donc je ne sais pas. Peut-être que ça se traduit un peu. Mais je n'ai pas forcément l'impression d'avoir fait, à part le motherfucker, oui, là j'ai clairement fait l'espace. Je n'ai même pas dit qu'on a, j'ai juste mis il. Là j'ai vraiment fait l'impasse, peut-être par pudeur aussi. Mais globalement, je n'ai pas la sensation d'avoir. D'avoir fui les émotions, quoi que ce soit. Okay, thank you. Rose, do we have any more questions, or should we just sort of look at what the takeaways are from this session? There's no more questions. Okay, so should we just have a sort of summing up? What are the takeaways? I mean, I'm going to ask both of the dualists and also Tsukashu. What do you take away from this? Anyone? Maybe the cashew can come in as the offer. Yeah. So one of the main takeaways that for me anyway, it's been the different ways in which say tone or the way in which things have been translated based on different contexts. For example, the way in which Edwige translated Naï Pampa, I really found that fascinating. And I think it's all these choices that make the particularity of each translation. And I think earlier on, we also made a point about translators not translating for a vacuum, but for a particular audience. So that too counts as well. And so far as I'm concerned, it's been a really, really enriching experience. I felt like looking at my work with new eyes, and it's been very enriching, and I'm really grateful for it. And what's so interesting is that we have two totally different translations, which are both brilliant, but in just different voices, which kind of shows that translation is a subjective thing, even if we think we're sort of being close to the author, faithful to the author's voice, etc.
there's something of so much of both of you in your translations, and that's inevitable. And I think that's just the name of the game, that we can only give the world our reading of a text. Do either of you want to add anything, what the takeaways have been for you of doing this? Vas-y, Marie. Okay. Alors, j'avoue que je redoutais un peu l'exercice. C'est une première. Donc, quand je me disais, ce truc-là, ça va être mis, il y aura plein de personnes qui vont regarder et tout. Ça m'a peut-être un peu bridée sur deux, trois choses. Mais je suis ravie. Je suis ravie d'avoir participé. Et alors, je ne sais pas ce que Ross va dire à ce sujet ou les autres traducteurs littéraires chevronnés. Lire ma traduction à côté de celle d'Edwige, moi, ça me donne envie, en fait, chaque fois que je traduis, peut-être de faire relire par une autre personne. Parce qu'il y a tellement de choses que je gagne chez elle. Donc, moi, en fait, ce que je retirerais ici, c'est quand même qu'après un travail de traduction, si on a l'opportunité de faire lire par un autre professionnel pour peut-être avoir un autre regard, ce serait intéressant. Bon, la deuxième chose que je retiens, c'est que c'est très important d'avoir l'auteur sous le bras. Ah oui. Pas le laisser partir. Ah non. Carrément. Non, habituellement, je pense que j'aurais travaillé avec l'auteur, mais là vraiment, c'était... Oui, comme c'était un translation slam, je n'ai pas voulu faire appel à ces caches. Je n'ai pas voulu tricher, en fait, parce que je savais que Mariette n'allait pas tricher. Donc, je n'ai pas voulu tricher. Et puis, ça m'a fait plaisir, cet exercice. C'est toujours bien de... Et puis, je seconde ton point, Mariette, de faire lire la traduction par un autre traducteur aussi pour que vous échangez un peu là-dessus. J'ai aimé quand même. Et puis, j'ai aimé aussi le fait que j'ai pu manifester ma vanité. I'd just like to echo what Mariette said, because I think, you know, we're... Being a translator, it's such a lonely profession, and you really don't know. There's a point where you just don't know anymore if what you're doing reads well, doesn't read well. And what for me, one of the most important ways of developing professionally is to work with another translator. And I would advise any translators who are watching this, if you can buddy up with somebody and, you know, read each other's translations, because it's people bring different perspectives. They pick up things that you've missed. I have one colleague who I work with on a regular basis, and we just scribble on each other's translations. Did you think of this? Have you thought of that? I would have thought of this word. And it just enriches the translation. It's time consuming, but it is something that translators can do for each other. And for me, that's my professional development, is having someone else read my translations. Mm-hmm. Okay. Any other comments from the audience? Anybody else want to speak? There's a few nice comments in the chat. Emma Sherkliff saying she knows a few people publishers who are using co-translators for longer texts and the real advantages to that, but that she appreciates that can be a bit of a luxury. And Four says this translation slam, like the editing slam that we had last week, has been an eye-opener on how much of the translator's or editor's personality and personal experience of the world seeps into their work, and that's not a bad thing. Very interesting. And then there's loads of kudos to Edwige and Mariette for their wonderful work. Great job, slammers and chair. Really fascinating discussion. And there's at least three wonderfuls that have come through. Maybe that's the note on which to close. Yeah. So just to say thank you so much, Roz and Edwige and Mariette. Thank you to everyone who's been in the audience. Please do visit the Backware Books website. You can buy their books there. They have distributors in different bits of the world. We'll also put this recording up on YouTube in due course, so keep an eye out on Twitter, Instagram, or whatever your preferred social media platform is. So thanks so much. Have a great afternoon, everyone. Thank you. Thank you.